Encore un essaimage pour cette année. Donc un essaim vient de se poser dans l'artichaut. J'ai découpé les feuilles d'artichaut que j'ai secouées sur une ruchette qui était préparée en espérant y introduire la reine. Donc évidemment on secoue tout doucement, hein. On secoue les branches, donc là c'était des branches d'artichaut, donc j'ai pu les découper facilement. On secoue les branches en espérant que la reine tombe dans la ruchette. Donc j'avais retiré ces deux cadres là, deux cadres du centre, hein, parce que la grappe était quand même assez conséquente. Et a priori, là tout le monde commence à rentrer dedans. Donc il se pourrait bien que la reine soit piégée. Du coup on va attendre un peu. Et puis après je vais aller les déposer tranquillement comme elles sont occupées. Je vais aller les déposer à 3 km. Donc elles ont l'air de toutes rentrer cette fois-ci. Alors je dis cette fois-ci parce qu'en fait, vous voyez, il ne reste plus rien de notre artichaut. On l'a complètement découpé pour rattraper tout le reste de la grappe. Parce qu'en fait, une fois mises à l'intérieur de la ruchette, elles sont revenues dans l'artichaut, ce qui veut dire que la reine était encore au cœur de l'artichaut. Alors je sais pas pourquoi elles sont parties se mettre au cœur d'un artichaut. Mais bon, en tout cas, ben voilà, on a découpé l'artichaut, il reste plus grand chose. Et là, en revanche, elles ont l'air de toutes rentrer. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et puis après, ben, je leur réserve un emplacement à 3 km et je les ramènerai dans quelques jours à la maison.